peur. Départ pour l'Argentine. Encore un but. 6 heures cette fois. Pourquoi tu pars dans le tour, ça? Ah, c'est... Et ben, je vois qu'on a repris le temps de Puerto Natales. Et chargé comme des mules. Alors je suis. J'ai deux sacs devant. On dirait une femme enceinte. On va espérer qu'il fasse beau demain parce qu'on a la visite du glacier. Et on retrouve deux francophones, une française et une suisse qu'on a rencontrés à Ushuaia. On dormait dans le même logement. Et on s'était échangé le numéro dernière soirée. Et là en fait on les retrouve. Et le hasard fait bien les choses. On est dans le même hostel et on se dit on sera peut-être même dans la même chambre. Vu qu'on dort dans un dortoir de 6. On verra bien. Là-dessus, Emma, dégueu, ça a l'air trop bon. Oui, parce que végétarien, mais ça n'a jamais pas aimé la viande. Hein. Ça me dit bien. Wow, un peu trop d'eau là. Saute, Emma, quelle princesse. On vient de se poser dans un café, et là, du coup, on repart faire des courses, se poser. La part, enfin de l'auberge. On est dans un dortoir de 2, 4, 6, 8. 8. C'est sur deux étages, donc on est 6 en haut et il y en a deux qui sont en bas. Enfin, deux lits en bas. Nous, évidemment, on est arrivé, il y avait déjà un mec en bas. Entrée au paradis. Enfin, un paradis pour moi. Emma, je sais pas si t'aimes bien, mais les boutiques souvenirs, c'est vraiment mon truc. Alors là, elle est immense. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a les tasses à maté, elles sont trop belles. Et il y a les petites cuillères pour le maté. Bon, on vient d'arriver au Perito Moreno, on est au centre principal. On a été déposé par le taxi, on est à 4 du coup. Il y a... une balade de 2 heures à faire, on a 3 heures données par le taxi. Et là, bah, du coup, on va faire le tour. Et Emma, elle est contente. On arrive à peu près 1 heure à 1 heure et demie avant tous les touristes. C'est ça qui est cool. Donc c'est plutôt vite pour l'instant, mais ça va vite se remplir. D'ici une demi-heure, 1 heure. Voilà. Donc là, c'est l'entrée. Les casbahs principales et le Perito Moreno, il est juste derrière. Qui tombe. Et Emma, vas-y, dis-moi. La partie la plus haute mesure 70 mètres de haut. La partie la moins haute que 50 mètres. Voilà. On voit un
un peu l'échelle avec les arbres à droite. Et ça fait un bruit énorme quand ça tombe. Ça résonne dans toute la vallée. Trop beau. On n'avait pas pensé à faire le tour en bateau. Là, on est en train de se dire pourquoi pas. C'est immense. Vraiment trop beau. Et le pire, c'est le fond. Bon. On n'entend peut-être pas à la GoPro, mais ça pète au loin. En fait, on voit ici, tac, ça part derrière dans les nuages. Et tu vois la coulée. C'est encore plus grand que... En tout cas, ça fait de la superficie de la ville de Buenos Aires. C'est ce que nous disait la taxi qui est venue nous prendre tout à l'heure. Et là, c'est trop bien. On arrive une heure et demie avant tous les bus touristiques. Donc, on a l'impression vraiment d'être seul au monde. Il n'y a personne derrière. Emma, ton impression ? Elle a vu un iceberg tomber. Un bout du glaçon, on va dire, un iceberg. Je l'ai pas vu. Cette zone était immense. On a vu des petits, mais là c'était vraiment un gros. Il y a le vent qui s'est levé, mais là il y a le soleil qui revient. Ça change un peu les températures. Et c'est surtout là, il y a énormément de monde qui est arrivé. Il est au meilleur spot. On essaye de se décaler, là on est en face du Perito Moreno. Et il y a une partie là qui arrête pas de tomber, donc on essaye d'aller de ce côté pour rien louper. C'est de l'autre côté, tu peux le faire. Perito Moreno. Pourquoi j'ai loupé ça? Ah bah c'est vrai. Mais bon, mais... il faut en mettre des temps. Tu fais du trafic. Non, c'est pour me montrer les têtes. À moins que vous vouliez. Ça me tombe. Ouais, non, mais... là, des fois elle je mets la vidéo, je mets la vidéo et... Des fois elle fait... Ouais c'est ça, elle va faire la vidéo. Mais on laisse. Ah ça va, il y a un peu de justice.